À Kamui-Yéné, les enfants du village découvrent un nouvel instrument de musique. Le beatbox, c'est le fait de faire de la musique avec son corps, comme vous venez de le voir, avec sa bouche. Et du coup, pourquoi on est là aujourd'hui? Bah, c'est pour vous donner envie d'aller au spectacle. Et c'est moi aussi, j'ai 2 heures là pendant lesquelles je suis là pour vous proposer un atelier de beatbox. Donc pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez, vous pouvez rester avec moi et je vais vous apprendre les rudiments, les bases du beatbox. Comme ça, vous pourrez repartir après, vous pourrez faire du beatbox chez vous. La compagnie des Asphodèles a lancé la 10e saison du théâtre de Makuria avec la pièce Le Quatrième Mur, dont la bande sonore sera exclusivement composée de beatbox. Moi, je me suis vite pris au jeu du beatbox, j'en avais jamais fait et je me suis mis à en faire tout le temps en faisant la vaisselle, en conduisant ma voiture, parce que c'est un super instrument parce qu'il n'y a besoin de rien. On peut en faire seul, on peut en faire à plusieurs et on peut rapidement se faire plaisir. Donc c'est ça aussi, donner les ateliers ici. Bon, bien sûr, ça vient parler du spectacle et tout ça, mais c'est aussi donner quelques outils, quelques billes musicales pour pouvoir se faire plaisir musicalement assez rapidement et à plusieurs, seul et en faisant des choses assez chiadées et assez chouettes à faire. Et puis on peut encore ajouter par rapport au beatbox que tu peux être dans n'importe quelle contrée où on ne parle pas ta langue. Là, tu peux échanger, tu peux communiquer avec l'autre. Après avoir donné plusieurs ateliers beatbox dans différents villages guyanais, la compagnie des Asphodèles donnera une dernière représentation ce soir au théâtre de Makuria.